Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième épisode de Rome de Total War, dans lequel on joue Corinthe, on est dans l'aventure Le Courroux de Sparte, et on se débrouille jusque-là pas trop mal, hein. On a réussi à bouter, on a réussi à bouter Athènes hors de Zacynthe et hors de toute la côte ouest de la Grèce, ce qui est plutôt pas mal. Aximitère et Pyre, il n'y a pas de souci, ils sont en guerre contre la ligue thessalienne. On va les laisser bien se focus dessus. On a toujours un petit souci avec les Macédoniens là, hein, qui, on sait ce qu'ils préparent. Hein. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. On va le faire arriver un tour plus tôt l'espionne. Alors on va la faire arriver mais juste là du coup à Dion. Voilà, c'est l'été, du coup on se déplace beaucoup plus vite, ça c'est agréable aussi. Ah mince, c'est pas grave. Je ferai une fontaine plus tard. Est-ce qu'il y a une espionne que je peux recruter qui... Non, ça a pas l'air. Ouais. On va prendre le héros. Et on lui dira d'aller vers nos éclairs de Zeus, sûrement. Non, quoique, là j'ai monté une armée là qui est en train de se faire. Les Héraclides. On va les faire rester là. On dissout ces unités. Voilà. Et on recrute des bonnes et vraies unités. Les têtes de l'hydre. Allez sur mode agressif. Voilà, on relâche les captifs. Je les avais totalement oubliés. Hein. Alliance défensive, avec grand plaisir. Hein, c'est qui? Corsite? Ah, je sais plus. Hop, on chasse. Et allez, on va les poursuivre. On n'en veut pas des Athéniens. Les Hécatonchires, on attaque la fidélité d'Athéna. Et voilà, on n'en parle plus. Là, niveau moral, on est parfait. Hop, je vais les faire retourner sur le continent, à nos pactes. Là-bas, le moral est haut. Hop, même principe. Ah, vache, ah, il se prend la misère là. Ce serait bien qu'ils se défendent un peu. Hop, je vais le faire retourner moi du coup à Ambracie vu que j'ai le droit de passage. Il reste là, hein. C'est pas grave. On va faire aller pile ici, voilà, comme ça j'ai la vue sur Égia et dit on. Ouh. Alors je peux prendre la ville. On a vu que là-bas il y avait une autre armée, hein, mais là je peux la prendre. Et vite ensuite se redéplacer. Va falloir très très vite se redéplacer les gars vers Olynthe. Oui voilà, elle se débrouillera bien hein, ça. Touronnée, allez. On développe. On fera une place forte au pire, même si je me fais attaquer. Prendre une des villes, ça me fera une place forte. Pas facilement prenable. Ah, là, ah il se focus sur moi, hein, c'est fou. Hein. Mais du coup il a perdu Auray, il a perdu Calcis. Il a vraiment perdu pas mal de villes en mer. Hein. Ça c'est tant mieux pour nous hein, d'ailleurs. Milos, accord commercial, pacte de non-agression, accès militaire. Un petit paiement. Un moyen paiement. Un moyen paiement, ça passe.
Cortine, on est en. Cortine, pardon. On est en alliance défensive. Est-ce qu'on peut faire pareil avec Knossos? Oui. Non. Oui, peut-être. Alliance défensive, ça suffira. Ici, il veut toujours pas, si. Non. Oui. Ah, enfin. Toujours pas. Pourtant, son copain, là, est content, quoi. Ouais, et là, il me dit quoi, lui? Ah, mais d'accord, c'était un pote d'Athènes. Allez, casse-toi. Quelle violence. Est-ce que il y a un autre endroit? Il s'entend bien avec Athènes, Byzantion. Ah, c'est un Dorien, il s'entend bien avec Athènes. C'est quoi ce bazar? Il a rien compris, lui. La Ligue Ionienne, qu'est-ce que ça dit? En guerre avec nous, ils sont alliés à Sparte, très bien. Eux, ils sont en train de te dire, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça d'attaquer. Allez, faisons de la nourriture. Ça sert toujours. On est comment? On est très bien. Et oui, j'avais pas levé un. Si, voilà. Ah, c'est vrai que j'avais déjà un noble. Et le noble, je vais l'envoyer plutôt là-bas. Parce que j'ai une armée un peu plus imposante et surtout beaucoup plus de mercenaires. Ton équipement est une honte, soldat. Bah, c'est gentil, ça. Wouah! Oh, je peux développer mes flottes là, c'est impressionnant. Hop. Ah, je peux même sacrément bien les développer. Ah oui, il y a celle-là aussi. Défense, lit de pierre coupante. Pff, non. Talentueux tirailleur, non. Garde d'un AP, ah, peut-être. Ouais, non, ça donne pas grand-chose. Bon, loyaux défenseur, allez. Ils vont avoir besoin. Le général redoutable hoplite, bien évidemment. Bon, on n'est pas Sparte, mais bon. On a quand même de redoutables hoplites. Hop, on engage les gardes du corps en soutien un compétiteur. Je sais pas, c'est pour sponsor un athlète. Hélas. Voilà, le but là, c'est de le faire partir. Toujours plus loin, dégage. Ah, il a réussi à garder sa ville. Impressionnant. Les Macédoniens, est-ce qu'ils meurent de faim? Non, zut. Si. Si, si, si. Ça commence. Hop, on accélère. Et à Toroné, on lève une armée. Ouais, hélas. On n'est pas encore assez là. Hop. Soldat à H, mercenaire, Agrian, c'est le seul. La seule unité qu'on peut faire. Ah non, on peut faire des archers, ce sera peut-être plus efficace. Effectivement. Voilà, là s'il m'attaque à Olynthe, ça va y avoir de la perte des deux côtés, de la lourde perte hein, des deux côtés d'ailleurs. Mais ça devrait passer. Il est en route, il va mettre je sais pas combien d'années. Ah non, c'est vrai que c'est le temps il passe plus lentement. Non. Non, non, non. Ça donne le statut de client si tu veux, mais non. Pas plus, faut pas déconner l'ami. L'argent, on peut contrer les rumeurs. Voilà, là, le Byzantion, il s'avancera pas plus. Byzantion? Attends. Mais non. Sérieux? Oh, il va falloir qu'il se calme un coup, des fois, hein, quand même. Alors,
va monter 3 unités de hoplites ici. Voilà, là, la garnison, elle va bien être augmentée. Ça, c'est plutôt cool. Là, il meurt de faim. Et ce n'est qu'un début. Chers ennemis, Byzantion, pareil, on va envoyer un espion hein, là-bas. Histoire de dire qu'il se calme. Qu'est-ce que j'ai comme relation avec toi? Ah mais attends, il y en a toujours un. Ah ouais, il y en a encore un ici, purée. Les tridents de Poséidon, pardon. Ma langue a fourché. Allez, on se débarrasse de cette flotte. Ouais, je relâche, hein, j'ai besoin d'argent. Du moins, ça fait jamais de mal. Ah là, mes flottes là, elles se développent bien en plus. Hein. Ah, ça fait plaisir de voir ça. Je suppose que je ne peux toujours pas monter un agent. Enfin, embaucher un agent qui est sympa. Non. C'est pas grave. Hélice. Tu fais attention tout de même, hein. Je te vois. Allez, là on va faire. On va donner de l'expérience un peu à nos unités. Au niveau des succès, enfin des objectifs, pardon. Maintenir 100 unités, embarcadère, maintenir des relations commerciales avec deux factions, au total 7. C'est parfait. Pour les conditions de victoire, on verra un peu plus tard, forcément. Ça va prendre un peu plus de temps. Byzantion. Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Le succès des jeux, parfait. Byzantion. Regardez-moi ça. Il s'enfonce. Ils s'enfoncent dans les terres et ils vont plus pouvoir sortir, c'est mignon. Allez, bah, on va faire un fort, une position fortifiée. Ici, ça recrute. Je vais recruter des commerçonnaires en attendant. Voilà, comme ça, il sera bien bloqué, lui. Il pourra que sortir par la mer. Ça me va. Ok. C'est très très bien, tout ça. Et... permet aux portes de colonies de verser de l'huile bouillante. Ça, c'est bien. Fais des dégâts par les tours de la cité. Ouais, bon, on va commencer à faire un petit peu de soutien. Hein. Je crois qu'il va y avoir besoin. Ici. Ouf. Oh, ça m'étonnerait pas qu'ils viennent prendre Mandé. On va relever notre armée, du coup. Voilà. On va devoir s'occuper maintenant un peu de l'Est. De l'Est, c'est ça. Hop. On va attaquer. Voilà, ici, ils peuvent pas passer. Il est passé où? Ah oui. En plus, ils perdent toute leur ville. C'est beau, hein? Ils perdent toute leur ville, mais ils continuent à aller sur moi. C'est pas très grave. Allez, on va aller à Lorion. Oh, l'erreur. Oh, quelle grosse erreur. Oh, j'ai pas vu ça. Je l'ai absolument pas vu. Oh, j'ai absolument pas vu ça. J'ai quelques unités de hoplites, quelques unités d'archers, ça devrait tenir, mais... Oh l'erreur, ça va être très compliqué là. C'est là ils se font une embuscade du coup. Eh ouais. Et avec même l'armée de garnison, bah, ils se font plusieurs. Bon l'armée de garnison, heureusement, elle est nulle. Hein. Bon bah je vais mener la bataille sur le champ. Si elle est intéressante, je vous la laisse, sinon on se retrouve de suite. Alors j'ai pas du tout pu gérer cette bataille. Il a fait un très très bon déploiement le bot. Hein. Je me suis fait surprendre en plus par sa double cavalerie. Voilà, cavalerie d'Hypéis. Qui sort de je ne sais pas où. Mais comment j'ai pu me prendre de la cavalerie d'Hypéis? Ah c'était de la mercenaire.
Bon, bah là, il va me terminer l'armée. Hein, voilà, ça c'est. Hop. Résolution auto. J'espère que c'est pas mon dirigeant de faction. Parce que sinon, ça a piqué. Hein. Ouais, il est allié avec mes alliés. Ouais, si, allez. Armée détruite. Aïe, 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 aïe. Un mort honorable, je sais même pas qui. Disciple de Posidon. Ouais, bon, ça va. C'est pas si pire, du coup. Aïe, 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 là, la Ligue Béotienne. Ah là là, je me suis fait mais avoir, mais. Comme un bleu, c'est moche. Hein. C'est qui là-bas? Macédoine. Ah, c'est pareil, il va tous me les envoyer, hein. Ah oui, vas-y, envoie-le-moi, il n'y a pas de souci. Voilà, coucou, comment vas-tu? Merci d'être passé. Suivant. Ah, c'est l'hiver. Qui dit c'est l'hiver dit. Moins de revenus. Ok, c'est bon, mon archonte il est là. Hop, combattant. Moins de vitesse. Ah, c'est pareil, il veut pas lui. Hein. Allez, là, fuite. Ah! J'aurais dû le faire dans l'autre sens. Ça aurait été peut-être un peu moins mal. Allez, allons-y en embuscade. Faire tomber ces villes-là. J'ai toujours pas ce qu'il faut. Ici non plus. Ici, allez, on peut. Colonie fermière. Ici, pareil. Autant dépenser de l'argent quand on en a. La trésorerie est vide. La trésorerie est vide, je le sais. C'est comme ça. Ouais, tout ça c'est parfait. Voilà, c'est l'hiver c'est difficile, je le sais bien. Ok, lui il me défend, c'est cool. C'est pas vrai, lui il est encore là. Hein. Il va aller là, je suppose. Ah, bingo, allez. Voilà, plus d'Argos. On relâche. Ça fera toujours un peu moins d'argent de perdu. On mène la charge. Et on va faire tout le tour. On va aller. Attends, quoi? Ah, j'ai peur. On va aller à Paros. Ça me paraît bon. Ça me paraît une bonne idée. Avec cette flotte, on va aller également à Paros, ou au moins à côté. Hein. Voilà, ça prendra que tant que ça prendra. Oh, il y a un siège à Athènes. Oh, 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 oui. Bien joué, ça. Bien joué, bien joué. On va accélérer le pas. Voilà, s'il prend Athènes, moi, il n'y a pas de problème. Je n'en voudrais pas. Au contraire. Non. Par contre, faut pas déconner, pas de suite. Faillite, je sais, je sais. Voilà, je vais attendre que cette armée se reconstitue pour aller amphi. Police. Donc forcément après l'hiver, hein, quand on aura un peu plus de revenus. Ouais, il y a des rebelles.
ici. Eh ben, ils l'ont pris, forcément. Oh oui, ça par contre, il faut que j'aille là-bas. Rod. Je pense que j'ai une armée. Ah mince! Ah ouais, ils ont tout pris quoi. Ah, plus rien. Il n'y a plus rien. Bon bah on va augmenter, on va monter, je veux dire, on va l'orer. De toute façon, on n'a pas le choix. Voilà, les flottes, elles font bien le tour. Au moins Athènes, là, on l'aura. Hein. Voilà. On va bien resserrer la vis, comme on dit. Non, non, toujours pas. Tu vas me demander à tous les tours. C'est la même demande à tous les tours, en plus. Ouf, c'est le printemps. Ça va mieux. On va pas le faire marcher. On va aller à oreille, mais tranquille. Ah, vraiment tranquillement. Vraiment très très tranquillement. Toujours des pertes de nourriture. Oui, c'est très bien tout ça. C'est très très bien même. Je vais dissoudre toutes mes unités de mercenaires ici. Ah, ça me coûtait quand même 2000. Un pouille à moins de 2000. Sympa. Ah, il me propose un peu plus ce tour. C'était à 420 le tour d'avant. Rapport sur l'usure. Ah, c'est ballot parce que là je gagne du fric, mais je suis quand même en usure. C'est le temps que ça monte au cerveau, comme on dit. Allez, je vais monter une armée ici. Voilà, en plus, lui, quand il sera arrivé. Oh, des belles terres fertiles là, apparemment. Ah, le petit monsieur là, le vieux monsieur qui a un sacré bidon quand même. Hein. Allez, on passe un tour, ce sera le dernier que je passerai avec vous aujourd'hui. Pourquoi attaque par la mer? Faut m'expliquer là. Voilà. Je préfère. Ouais, ils font toujours le petit tour, hein. De les bouffer, pacte de non-agression, ça y est. Je vais juste voir là. Hop, on a 1305, on économise quand même 100 et des poussières. Voilà. Là, on continue de monter l'armée. Ok, ça en dissout. Voilà. Il manquera deux archers, le reste de hoplites. Et je remplacerai d'ailleurs la milice un petit peu plus tard. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Demain, on s'attaque aux Grecs. Oh, pardon, oula, on s'attaque aux Athéniens. On se retrouve demain pour le prochain épisode. C'était Thiob. Ciao.